Bienvenue dans cette vidéo tutoriel de Vision Lidar 2020 pour le calcul de volume. Dans cette courte vidéo, je vais vous démontrer comment faire le calcul de volume dans vos projets via notre nouvel outil de calcul qui va se trouver dans Outils, Calcul de volume. Dans cette fenêtre, on va avoir le choix entre deux scans. Donc si on a un avant-après, comme dans l'exemple qu'on voit ici, à deux dates différentes, on va choisir deux scans, mais on a aussi l'option de faire le calcul de volume à partir d'un seul scan seulement. Donc là, on va s'assurer de mettre les scans dans le bon ordre pour que les positifs et négatifs ne soient pas inversés dans les valeurs des résultats qu'on va avoir. Ensuite, nous avons une option pour les contours. Comment dessiner les contours? On a le choix entre concave ou convexe. Lorsqu'on prend concave, on va délimiter le contour de la zone à calculer le plus propre possible des points disponibles. Lorsqu'on choisit convexe, à l'inverse, on va relier les extrémités entre elles. Donc toutes les parties vides vont être prises en considération pour le calcul. Donc dépendamment du type de calcul qu'on fait, il faut faire attention dans le mode qu'on choisit. Ensuite, on peut choisir entre intersect ou union. Intersect, c'est-à-dire qu'on va calculer de volume à l'intersection des deux scans. Donc tout ce qui est à l'extérieur du verre, donc toute cette partie ici et là, ne sera pas prise en compte. A l'inverse, on peut faire union. L'union, c'est l'union des deux scans, donc on aurait tout pris pour le calcul des volumes, inclus la partie en rouge ici. Facteur de compaction. Donc dépendamment, surtout pour les travaux publics, par exemple, dans la voirie, vous pouvez calculer le volume nécessaire en ajoutant un facteur de compaction. Une fois que le matériel est compressé, par exemple pour un nid de poule, par exemple, ou quelque chose de plus gros, bien sûr, pour la voirie, vous avez l'option de pouvoir réajuster le volume total que vous aurez réellement besoin grâce au facteur de compaction. Ensuite, nous avons la taille de la cellule. Le plus petit, le plus précis au niveau des changements. Ça, c'est pour choisir le nombre de voisins le plus proche qu'on va prendre pour faire la calcul lors de l'interpolation. Et ici, la puissance, c'est un facteur qui va déterminer à quel point les voisins les plus proches vont être plus importants dans le calcul de l'interpolation que les voisins les plus éloignés. Mais en général, on n'y touche pas à aucune de ces deux valeurs-là, à moins d'avoir un scan d'un territoire spécifique. Une fois les paramètres faits, la seule chose qu'on a à faire, c'est simplement cliquer sur le calcul de volume. Une fois le calcul terminé, on va avoir le résultat qui va s'afficher à l'écran. Donc on va avoir un aperçu de la carte avec les changements. Donc en bleu, c'est les parties qui ont été enlevées. Et en rouge, les parties qu'on a rajoutées et en vert, les parties inchangées. Ces couleurs auraient pu être inversées si on n'avait pas mis les scans dans le bon ordre. Si on avait inversé les dates, le bleu serait devenu rouge parce que on aurait pu croire qu'il y avait du matériel qui a été rajouté et non enlevé. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention dans l'ordre dans lequel on met ces scans, dans les bonnes dates, pour être sûr d'avoir les résultats pertinents. Une fois vous aurez le résultat qu'on va trouver ici, donc on peut voir qu'au total pour le rouge on a ajouté 202 mètres cubes, mais qu'on a enlevé 48 787 mètres cubes de matériel. Qu'on peut voir facilement en enlevant l'ancien scan et qu'on regarde juste celui d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir une meilleure visuelle, vous pouvez ouvrir le fichier original de la carte que vous allez avoir en plein écran. Et ceci conclut notre vidéo tutoriel de Vision Lidar 2020 sur le calcul de volume. Merci.